Il incarne Enzo dans la série Ici tout commence. L'acteur Aziz Diabaté cesse de laisser aller à quelques confidences pour le livre Ici tout commence, car entre cette emblématique de la série. En effet, le jeune comédien est revenu sur quelques anecdotes, comme par exemple ses tout premiers pas de danse, lors d'un concert du chanteur Fenno Ambro à 13 ans. On m'a fait monter sur scène pour danser avec lui et j'ai trop kiffé. Ça m'a donné le goût de la danse et, quelques années plus tard, je me suis à nouveau retrouvé sur scène pour l'émission Danse avec les stars, une expérience unique, dévoile-t-il. Mais qu'en est-il de ses premiers pas dans la série de TF1? Je m'en souviens bien, car je me suis fait recadrer direct par le réalisateur Christophe Barrault, commence-t-il par déclarer cash. J'avais 8 séquences dans la journée et je ne connaissais pas hyper bien mon texte, je pensais pouvoir un peu improviser. Christophe m'a pris à part et m'a dit droit dans les yeux, « Si tu n'es pas capable de respecter le travail des autres, tu n'as rien à faire ici. » Des mots durs qui ont marqué le jeune acteur, c'était chaud. Je me suis dit, « Frérot, tu n'es pas tout seul ici, va falloir assumer. » Depuis je connais tous mes textes par cœur. Un artiste complet, une mise au point qui a eu des effets bénéfiques puisqu'Aziz Diabaté s'est donc plongé dans ses textes. Lors de cet entretien, le jeune acteur est aussi revenu sur son amour pour la musique. En Spellem2-bas, avec mes potes jumeaux, Brian et Julien, on avait loué un ordinateur dans une boutique de téléphonie mobile et on a sorti un son, le premier de ma vie. Une chose est sûre, celui qui incarne Enzo est un touche-à-tout. Un artiste complet qui n'a pas eu des débuts très faciles dans Ici tout commence. Non.